Aujourd'hui, je vais te raconter ce que moi je fais pour ne pas manquer d'énergie, d'être toujours en top forme et aussi de ne pas tomber malade. Et ce, parce que quand les jours viennent plus courts, que dehors il fait plus vite sombre, peut-être plus froid, j'ai remarqué que beaucoup de gens autour de moi, soit tombent malades carrément, c'était aussi comme ça pour moi dans les années passées, ou bien alors tout le monde devient un peu morose, un peu tristounet, un peu déprimé. Et bien sûr, on peut simplement dire c'est une fatalité. Je tombe toujours malade en hiver, des choses comme ça. Mais ça, ce n'est plus du tout moi, ma réalité. Et donc, bien sûr, on va pouvoir dire qu'on a besoin d'une hygiène de vie, qu'on va dormir quand il faut, que la vie, elle est joyeuse, qu'on n'a pas de soucis, etc., etc. On peut travailler sur tous ces chantiers dans sa vie, évidemment. Moi, je suis typiquement quelqu'un qui va pas dormir assez tôt. Ça, c'est un défaut. Je vis du travail et j'essaye de vraiment aller dormir avant minuit, mais souvent, peut-être tu m'as vu, c'est à 3h, 4h du matin. Mais comme je suis indépendante, moi, je peux dormir jusqu'à 9h, 10h si je n'ai pas de client. Donc, c'est encore moi qui choisis. Mais toi, peut-être, tu as un travail, tu dois aller au bureau. Enfin, moi aussi, j'ai un travail, mais je suis mon propre chef. Tu dois aller au bureau, tu dois te lever tôt, tu ne peux pas choisir ton rythme. Tu peux pas, quand tu dis je suis fatiguée, aller faire une sieste. D'ailleurs, c'est un grand défaut, je trouve, quand on fait aller quelqu'un au bureau, de ne pas lui offrir un minimum de possibilité d'avoir son rythme. Bref, aujourd'hui, je ne veux pas te parler de toutes ces choses-là que tu peux évidemment, il faut mettre en place cette hygiène de vie. Moi, je te parle de ce que moi je fais pour ne plus tomber malade et d'avoir cette énergie. Donc, je prends des compléments alimentaires. Donc, j'essaye de faire tout le reste bien, mais je sais aussi que je suis souvent en grande période de grand stress. Donc, quand je lance un produit, il me faut le double de mon énergie. Quand je vais donner mes cours, je ne peux pas dire oh, je suis fatiguée. Non, quand je donne un cours, par exemple, à Bruxelles et que j'ai dormi 3 ou 4 heures et à mon âge, je peux te dire que normalement, là, je serais du genre oh là, oh, comment est-ce que je vais faire même ça d'y arriver en voiture jusqu'à là? Eh bien, je m'aide. En fait, je m'aide, j'ai le soutien qu'il faut au niveau des compléments alimentaires et je te les présente ici parce que, il y en a plein qui existent et je n'ai pas testé tous les autres. Mais ce qu'il y a avec ceux-là, je les ai choisis puisque mon travail est quand même un travail avec la spiritualité ou la connexion, le niveau vibratoire assez élevé. Et ça m'aide là-dedans parce que pour moi, ça, ce sont toute la philosophie qui est derrière comment ils ont créé ça. Ils ont vraiment tenu compte de quelque chose de différent que juste la valeur nutritive ou juste l'efficacité. Il y a bien vraiment un taux de vibration élevé et je le sens pour moi, mais il y a des gens qui me l'ont dit aussi. Ça augmente le taux vibratoire de mon être, de mes cellules. Il y a une fois quelqu'un qui a appris ça. La base de ça. Et elle m'a dit, oui, je ne sais pas comment je vais exprimer ce qui s'est changé. Je me sens comme si je brillais de l'intérieur. Je dis, waouh, ben c'est aussi simple de le dire. Ça, c'est ce que j'expérimente vraiment, cette plus de clarté, plus de force, plus de bien-être, d'énergie. Mais il y a quelque chose en plus de ça. C'est pas seulement physique. C'est spirituel. Voilà, on va le dire comme ça. Bon, ben, je vais vous raconter, je vais vous montrer ce que c'est. C'est la société Life Plus. Bien. Hop, Life Plus, voilà. Ça, c'est un shake de base que je prends maintenant depuis 1 an et demi. Ouais. Pas spécialement génial comme goût, mais on s'en fout. Ce qu'il y a là-dedans, si moi je n'arrive pas à me nourrir correctement pendant un certain temps, ou j'ai pas le temps, ou je ne fais pas les courses, n'importe quelle serait bien cette raison, eh ben, je sais qu'avec ça, j'ai l'assurance d'avoir les vitamines, les fibres et les minéraux de ce dont mon corps il a besoin. Donc ça, on ça tous les matins. Petit chèque. L'oméga, bah l'oméga-3, tout le monde sait que l'oméga-3, c'est super important pour la peau, mais surtout aussi pour le cerveau. J'ai fait des études en neurosciences pour devenir coach en neurosciences, et là, ils nous ont expliqué comment l'oméga-3, bien spécifiquement, mais les graisses ont cette fonction de,
comme on expliquait en anglais, de lier les relations entre les différentes cellules nerveuses. Et ça, ça se fait avec la graisse. Donc, si tu n'as pas assez de graisse, et la bonne graisse, à ce moment-là, ça a un impact vraiment sur ta clarté des pensées. L'autre ici, c'est l'OPC. OPC, là, ça s'appelle... On ne le voit pas, là? On ne le voit pas. Trop lumineux. OPC, on met pro-anténol, ça s'appelle chez eux. L'OPC est un super antioxydant. Les inflammations dans le corps n'étant pas seulement vraiment des endroits, peut-être tu n'es même pas au courant, mais où ce n'est pas du tout bon pour ton corps d'avoir des inflammations, ça a un impact également sur l'état d'âme, comment on dit ça, le mood, comment on dit ça en français maintenant, comment tu te sens, est-ce que tu vas déprimer ou pas déprimer, je ne trouve pas le mot. Et ça a un impact, des inflammations ont un impact sur ça. Tu sais peut-être que je pratique la méthode Wim Hof, plus aussi régulière que je voudrais, mais lui, il fait ça, ça a été étudié scientifiquement avec, il fait ça avec les respirations, et sa technique aussi avec les douches froides et tout ça, pour booster ton système immunitaire. Et la vitamine C et les OPC, c'est un antioxydant très très fort, font en sorte que le taux inflammatoire dans ton sang, dans ton corps, va baisser. Et ça, c'est important de vraiment avoir. Donc, tu peux prendre évidemment des fruits, des légumes. Il faut quand même déjà les étudier pour savoir lesquels il faut prendre. Il faut boire des jus verts, il faut manger ces légumes-là. Et encore, tu as besoin non seulement qu'ils soient bio, mais que ce sont vraiment des légumes qui ont poussé dans un sol qui est assez riche. Parce que sinon, il peut être bio comme il veut être. Comment est-ce que tu es sûr que c'est bio, mais que le champ à côté, ils ne sont pas en train de pulvériser des pesticides? Ça, tu ne peux pas savoir, hein. Et le sol, quelle qualité du sol, tu ne peux pas savoir. Donc, maintenant, c'est le grand marché avec les trucs bio, mais j'aimerais bien savoir si on analyse vraiment les fruits et légumes, est-ce qu'ils sont vraiment si clean, est-ce qu'ils sont vraiment si riches. Et c'est là aussi que chez Life Plus, je sais qu'eux, ils ont un procédé de vérifier que la composition, elle a vraiment le pourcentage et les milligrammes de vitamines, etc. Ils sont vraiment... peser avec un procédé totalement électronique différent que je ne comprends même pas, mais que j'ai vu comment ça se passe. Donc là, c'est important de penser aussi à ça. Par exemple, d'acheter ça au supermarché, le bio. Je le fais peut-être parce que je me donne une bonne conscience, mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ça, tu vois? Et ça coûte plus cher. Et le dernier truc, donc ça ici, je prends tous les jours en fait, depuis maintenant un an et demi. Et comme je te dis, je ne suis jamais malade, je suis toujours pleine d'énergie. Mon état d'âme aussi, de se dire, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas le courage de rien faire et tout ça, ça n'existe presque plus. Donc, l'autre chose que je prends pour me booster, et ça, ils ont créé un truc comme ça qui s'appelle, ouais, bah, je ne sais pas, Bifocus, ça s'appelle. Et c'est un mon mari, il a mis son A là-dessus parce que c'est le sien. ça, ils ont créé ça pour les sportifs, pour vraiment donner au corps, quand il fait un effort sportif, donner tout ce dont il a besoin, aussi bien pour le cerveau que pour toutes les cellules, pour pouvoir vraiment recevoir l'énergie et fonctionner. Et ce qui est chouette, c'est quand ça peut aussi fonctionner, même quand tu ne fais pas de sport, t'en prends un peu, quoi, juste pour te tenir réveillé. Si par exemple, je dois faire la route et que je suis super fatiguée et je sais que je risque de m'endormir au volant ou quelque chose comme ça, moi, avant, je prenais la guarana, mais maintenant, je prends ça parce que là-dedans, tu as un super mélange de caféine, taurine, guarana et tu as d'autres choses dont le cerveau a besoin pour pouvoir carburer. Et quand je donne mes cours, j'en prends un peu aussi parce que ça me donne tellement un boost, je me sens tellement plus en forme. Voilà, c'est vraiment difficile à décrire. Et voilà pourquoi mon mari, il a mis son A là-dessus. Quand tu prends une cuillère, tu sens il est migraineux, parfois c'est 3 jours comme ça, qu'il passe à vomir, ne peut pas être dans la lumière, etc. Vraiment difficile. Moi, heureusement, je n'ai pas du tout ce problème, mais chez lui, c'est vraiment handicapant. Et donc, ça, le bifocus, quand il sent que cette migraine va venir, il en prend une cuillère, il boit ça et la migraine ne vient pas. Je sais qu'il y a différentes sortes de migraines.
Et je pense que même chez lui, il y a différentes sortes de migraines. Ouais, l'intoxication par certaines choses qu'il peut manger ou qu'il n'est pas tolérant ou qu'il n'a pas assez dormi, etc., etc. Mais en tous les cas, toutes ces migraines, quand il prend ça, au moment qu'il sent que ça va venir, elle vient pas. C'est génial, non? Ça a changé notre vie. Là, j'ai dit, il n'y a plus de migraine là. Et donc, moi, pour mon côté énergie, pour mon côté de, je sens ça. Mon corps, il a tout ce qu'il faut pour vraiment se battre. Je tombe pas malade et je n'ai pas peur de tomber. Bon, peut-être que je vais tomber malade après l'avoir dit, qu'est-ce qu'on sait? Mais je suis plus tombée malade depuis que je prends ça, quoi. Plus. Et les gens tout autour de moi malades. Donc voilà. Et si j'ai un rhume, tu vois, si j'ai quelque chose durant un jour, c'est incroyable. Donc j'ai commencé à lire un peu là-dessus sur les compléments parce qu'au départ j'étais tout à mes contre. Je me dis non mais non, moi des shakes, je veux pas, je vais manger sainement, blablabla. J'ai lu vraiment beaucoup et c'est très difficile de manger autant de légumes qu'il faudrait et cru, hein, par-dessus tout, pour que tu aies tous les nutriments ce dont ton corps il a besoin. Très difficile de manger ces grosses quantités-là. Et difficile aussi d'être sûr ce qu'il y a là-dedans, dans ces légumes. Donc moi, là, ça c'est mon assurance, si tu veux. J'essaye de faire tout le reste, mais ça, le matin, je prends et je suis tranquille. Je suis tranquille. Je sais que si ce jour-là, c'est le grand stress, je mange rien ou je mange du n'importe quoi, au moins la base va être là. Voilà, ça c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous ici, comme ce sont mes My Magic Business and Life Tips. Parce que voilà, si tu n'es pas en pleine énergie, si tu as un état d'âme un peu déprimé, ben business il va en souffrir, mais terriblement. Donc c'est vraiment vraiment important de pouvoir tenir compte de ça et de s'aider aussi avec ça. Donc voilà. Est-ce que toi, tu prends des compléments ou est-ce que tu les achètes ou est-ce que tu les trouves, lesquels que c'est, quelles vitamines tu prends et on peut les partager ensemble ici en dessous, ça m'intéresserait de savoir qui prend des. Parce que quand je parle aux gens, ils prennent tous quelque chose, une vitamine C, une vitamine C, ça. C'est qu'il. Ah oui, ce que je voulais partager ici avec celui-là. Hein. Ce qui est aussi génial parce que je vois des gens, ils prennent une seule vitamine ou un seul truc. Quand tu regardes les légumes et les fruits, tu vois jamais qu'il y a juste une seule vitamine là-dedans. C'est toujours une composition magique des choses, hein. Et c'est ça que j'aime là-dedans aussi. Ils ont vraiment étudié les interactions entre les différentes vitamines. Ils vont même aussi loin que de les mettre ensemble dans une certaine séquence. Enfin, ça a été hautement étudié ce truc et on peut aller écouter et lire tout ça, c'est sur l'internet qu'on le trouve, mais l'effet que ça fait, ça c'est étonnant et moi je trouve ça génial. Bien, bon vendredi à vous toutes, profitez bien de votre week-end pour déconnecter, vous reposer, faire le plein, avoir des nouvelles idées et on se voit lundi pour mon nouveau poste sur l'inspiration. Bye bye.